On peut le constater depuis plus de deux décennies. L'Afrique de l'Ouest souffre de la triste réputation d'être devenue le théâtre d'activités criminelles diverses. Le développement du trafic illicite des drogues et la criminalité transnationale organisée, ajoutée au terrorisme, à la circulation d'armes légères, au trafic d'êtres humains, à la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, constituent pour cette région des menaces sérieuses qui appellent à plus de vigilance, d'actions déterminées, de solidarité et de partenariats stratégiques. Je tiens donc à remercier vivement les 24 pays donateurs pour l'Afrique de l'Ouest qui s'emploient constamment à appuyer ces efforts des États de la région ouest-africaine.